Ça, c'est un vêtement emblématique des années 80. C'est un manteau qui a été porté par Diana Ross et c'est le manteau Teddy Bear. Quand j'étais enfant, je n'avais pas de Teddy Bear. Quand je suis devenu adulte, j'ai pris ma revanche et j'en ai eu beaucoup. Toujours dans mon travail, j'ai toujours aimé faire des accumulations. J'ai toujours aimé prendre des choses ordinaires et simple et humble et en faire des beaux vêtements. Ça, c'est parti d'une phrase française qui dit « il te va comme un gant ». Donc j'ai fait un pull qui te va comme un gant. Tout au début de ma carrière, je me suis approprié les matières les plus pauvres, comme la serpillière. Les choses les plus pauvres me font toujours penser à l'histoire. C'est un peu comme l'archéologie. Aussi, les choses les plus humbles, comme la nourriture, comme les pastas. Ça, c'est des tagliatelles. Après, mon travail s'est développé autour de la forme, autour de la dimension spectaculaire. Ça, par exemple, c'est une collection qui s'appelait Gulliver, où j'ai fait toutes les choses en très, très, très grand. Ça m'a été inspiré par les airbags des voitures. C'est comme des containers. Donc c'est un vêtement très proche du design. Vous voyez, la forme des épaules change la silhouette. Ça, c'est des techniques très industrielles. C'est des découpes au laser. Et tout ce que je découpe là, je le remets là. Ça, c'est le luminescent. Ça, c'est les vêtements pour l'air, pour que le vent s'engouffre et le gonfle. Les signes forts, comme les drapeaux, comme les blasons, comme l'héraldisme, sont des choses qui m'ont toujours inspiré. Parce qu'ils ont un impact sur le public, ils ont un impact chromatique, ils ont un impact de symbole. Et j'aime les symboles. Ça, c'est un peu l'accident de ma carrière. C'est les vêtements liturgiques que j'ai faits pour le pape en 1997, inspirés par l'arc-en-ciel. Je crois être le seul designer au monde qui a travaillé pour le pape. La littérature, l'écriture, la presse,
tout ça, c'est des images fortes qui m'inspirent. Ça, c'est une robe en papier des années 80. Les robes livres. La nature m'a toujours inspiré. Les animaux. Ça, c'est des robes des années 80 qui sont peintes à la main et qui parlent d'animaux qui disparaissent. J'aime bien envoyer des messages. Toujours cette évocation de la nature. Ça, c'est ma relation avec l'image, qui est très importante, notamment la photographie. Très tôt, j'ai fait des robes photographiques peintes à la main, comme celle-ci avec Chaplin, comme celle-ci avec le Zeiss. Là, cette robe qui se trouble, que j'aime beaucoup, mystérieuse, où je mets une Marilyn très mélancolique derrière un voile noir. Cette relation à l'ombre, à la lumière, à la spectralité. Ça, c'était une collection sur les femmes héroïques, comme Marie Curie. C'est Balzac. Et là, vous avez une jupe d'un film que j'ai adoré, un grand film du cinéma italien qui s'appelle Riso Amaro. Comme je travaillais sur les carnets de croquis tout le temps, il y avait cette idée de tourner la page. Ça, c'est la métaphore du sketchbook. Ça, c'est ma relation à l'art. Dans ma relation à l'art, il y a l'appropriation des images qu'ont fait d'autres artistes. Ça, c'est très important. Et le détournement de ces images. Cette appropriation, elle ressemble, je la faisais dans les années 80, mais elle ressemble beaucoup au 21e siècle. Aujourd'hui, on développe de plus en plus cette idée d'appropriation et même parfois les gens ne savent pas d'où les images viennent. Là, c'est Mademoiselle Rivière qui est un des tableaux les plus troublants de Ingres. Les objets de consommation, le fromage, les sucettes, les cachous. Ça, c'est un vêtement que j'ai fait pour Beyoncé. Dans le clip de Lady Gaga qui s'appelle Telephone. Ici, vous avez toute une famille de robes pop avec Jean-Michel Basquiat, avec Bess Ditto, avec Andy Warhol. Et ça, c'est une robe que portait Katy Perry pour MTV Awards. Là, vous avez le travail sur la matière. Tout ce détournement de matière, ces matières comme la paille écrasée, le lin, ce travail de broderie, ce travail de tissage, ce travail sur ce détournement d'un chapeau, ce travail ici de bois, de relief, alors que c'est du cuir, ce travail de tressage et enfin ce travail d'accumulation de laine. J'aime changer le destin des matières. Ça, c'est un thème très important. C'est le thème des cartoons. Les cartoons, j'ai pratiqué depuis toujours. J'ai d'abord fait les pulls cartoons, au fond, qui sont là. Pour Iceberg. Voilà. Avec cette idée de les utiliser comme des blasons, comme des images fortes. Enfin, les robes en soie des années 80. Bonjour, bonjour, bonjour. How are you? Voilà. Les paillettes, smiley, Mickey Mouse. Le collier de Kermit que Lady Gaga a porté. Les Muppets. Les plumes sous plastique, la fonctionnalité, les vêtements de ski de Mondrian, les coussins, les couvertures qui sont très importantes dans mon travail, cette couverture qui servait de couverture d'échange contre des peaux de bêtes,
je faisais 4 peaux d'ours plus 6 peaux de loup, le rock'n'roll, le noir du rock'n'roll, combinaison de cuir qui fait référence à mon travail pour Ces drôles de dames, pour Charlie's Angels, Michael Jackson, Fats Domino et la robe guitare. La transparence, là, très important. Cette accumulation que j'aime beaucoup, de pelote de laine avec cette robe plaid, la robe faite en vrais cheveux, in real hair, et enfin ce manteau béret qui incarne vraiment l'esprit français. Ici, vous avez toutes les invitations de me défiler depuis quelques années. Voilà. I hope you come to visit my exhibition. It's in Hong Hik Art Museum.